Bonjour, je m'appelle Caroline Lopez, j'ai 20 ans. Je suis étudiante à l'université Paris-Cité, en année de césure en licence d'histoire. Et je fais du tir à l'arc maintenant depuis 13 ans. J'ai 6 médailles mondiales à mon compteur et l'année dernière, j'ai terminé 19e mondiale. Quand j'étais petite, je me posais toujours la question de qu'est-ce que c'était les valises qui traînaient au fond de la cave. Et un jour, mes parents ont sorti ces valises, ils ont monté leur arc et j'ai fait « Oh, je veux essayer ». Et je crois que j'ai bien aimé. Je suis en structure depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait bientôt 8 ans, ça fait même 8 ans maintenant que j'ai pas une vie comme tout le monde. À l'arrivée des JO, c'est vrai qu'on est un peu tout excité. On a un compteur dans la salle où à chaque fois on fait le décompte. On sait qu'il reste tant de jours avant le jour J, pour le coup le vrai jour J. Et toutes les compétitions qu'on va avoir avant, ça va être pour nous un moyen de prendre de l'expérience, de pouvoir se peaufiner soi-même, même que ce soit sa technique ou son mental. Ça va nous aider au maximum à être le meilleur jour de l'année. Un entraînement type à l'INSEP, ce qu'on fait tous les jours. La journée attaque à 8h30 par un échauffement général. Ensuite, on attaque avec du travail technique à des courtes distances pour vraiment peaufiner sa technique, son geste. Ensuite, on va faire du travail sur cible, donc ce qu'on a derrière nous, pour travailler tout ce qui est la précision et mettre en œuvre le travail technique réalisé à 5 mètres pour le mettre sur de la longue distance. Et en fin de journée, on réalise soit une petite muscu, soit une muscu plus complète. La grosse muscu, elle dure une heure, on fait les épaules, mais aussi bien les abdos ou les jambes. Et donc à la fin d'une journée, qui se termine à peu près vers 18h-18h30, on a tiré environ 500 flèches. On est un poil fatigué. Et puis on rattaque la même chose le lendemain, toute la semaine. Pour allier études et compétitions de haut niveau, c'est pas facile cette année avec la grosse charge du volume horaire qu'on nous a imposé. 45 heures d'entraînement, ce qui me laisse pas le temps de pouvoir aller étudier. C'est pour ça que je fais une année de césure. Mais par exemple, l'année dernière, on avait prévu avec du coup, mon référent de l'INSEP, avec le référent de l'université, de diviser l'année en deux, donc de faire une partie de mes UE l'année 1 et de finir le reste sur l'année 2, mais qui fait en tout qu'une seule année de L1. Pour gérer le stress et la pression, on travaille sur de la cohérence cardiaque. C'est avec la respiration, on va réussir à calmer les battements de son cœur, donc avoir des inspirations et des expirations constantes. Donc c'est ce qu'on réalise en compétition. Par exemple, sur l'année dernière, on avait des capteurs cardiaques pour voir à quel niveau notre fréquence cardiaque montait sur les moments un peu stressants. On a beau être un sport statique, ça monte très très vite. Moi, je suis montée, si je me trompe pas, jusqu'à 175. Voilà. Et il y a d'autres archères montées jusqu'à 200. 200 sur une seule flèche, un pic de 10 secondes à 200. Le but, c'est de ramener la médaille avant tout. C'est vraiment... on s'entraîne tous les jours pour ça. C'est vraiment ce qu'on va chercher. L'important, c'est vraiment, je pense, de donner le meilleur de soi-même pour les JO à la maison. C'est qu'une seule fois dans sa vie. Et il faut... Faut pas avoir les chocottes ce jour-là, faut y aller à fond. Les Jeux Olympiques, c'est mon rêve depuis toute petite. Je dirais pas depuis que j'ai commencé le tir à l'arc, mais au fur et à mesure, ça s'est installé. Et c'est vrai que pouvoir réaliser les Jeux Olympiques à la maison, c'est inimaginable.